Prêtre, bonjour. Ok, bonjour. Présentez-vous. Monsieur Aboubakar Camara. Bon. Vous êtes victime de ce décrépissement. Expliquez-nous comment ça s'est passé la chaîne. Moutan Panna Sarne. Kouera. Yikoué, Yangandangiri. Je fais une tankine de bi 4 heures du matin. Maintenant, on a banqui. On a rangili. Il a bien canapé. Maintenant, avant ça, B. Et bien, ma Rima. Et bien, la manière. Ministre. Papa Koli. Nana Rafa B. Lorondi. Nana Rissan de Conti. Nato Fa. Anna Rampa Moubebe. Anna Rampa Mdebende Safi B. Mouna Mouma Kayikulo. Anna Ramena. Wafa la Kanibe. Haoussato. Araba Bende Safi B. Demande l'État Nara. Environnement Nara. Maintenant, général Nara Lagra, l'ancien compte Nara Lagra, l'ancien compte Lagra, toujours, c'est un délire Nara Manga Tungu. Papa, monsieur Papa Koli, Anagana Kili, Anaga Mena, Ibarato, nous avons proposé au Bé, Anaga Oma Stomsono, Anaga Mena, moi je vais construire ici. Maintenant, à partir de 22h, ils sont confirmés, Papa Koli, toujours ministre de l'Environnement. Lui aussi, Anaga Rini. Anaga, M. Khan, Anaga Bon. Itanambe, Bendes Armeni. Maintenant, première opération, demain, c'est ici, Nongopon. Biri Natone, CNDD Ratan. Anaga Fa, Anaga Sou. Anaga Bende Kobe Bilma. Ibara Menye. Maintenant, Isarani, Moutandorne, Moumou Sezokulu. C'est le quartier Anaga Fa. Anaga Amoura Kelibé, Aérisance. Sans délai, on a un mot qui est dit. 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 Maintenant, on a un mot qui est dit. Le week-end, l'environnement mérite de faire. Quel fait commun. On a un mot qui est dit. 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 Nous sommes en commune, nous tranquillité. Et nous sommes en train de ça, c'est des demandes de l'État. Maintenant, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes. Ok, vous avez perdu quoi et quoi? Moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Tous mes portes, c'est gâté. Et puis, ma poste à soudure, tout. Et voilà, voilà. Regardez. Ils vous ont donné un préavis? Non. Le préavis. Ils ne sont pas fait ça. Non, on a compte fil ici. Et là, façon, on a moulé que les raoulés, il y a si, il y a si ma bé, moura bagué. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez? C'est mon mouille, mon mouille là. À la bourre, moi, ma tour, n'a rien à ma bureau la bécou. Et là, on a ton goût, et là, on a cani. Ma DVD. Vous, c'est moi, vous parlez. En français, s'il vous plaît, si quelqu'un parle. Si quelqu'un peut s'exprimer en français. Là. Voilà. Bonjour. Okay. Bonjour. Voilà. Allez-y, vous êtes victime. Ouais, nous sommes victimes de Kapourou. Ce matin, à 5h30, on s'est rencontré avec 5 pick-up de la gendarmerie. Ils sont venus nous dire de quitter. C'est pas de nous dire quitter, hein. Gâter tout. Gâter et finir. Et qui c'est pour quelqu'un ici. Donc, ils vous ont dit le nom de la personne? La personne en question c'est Khan. Khan. Oui. C'est Khan. Khan, qui? Khan il est malonqué. Il est malonqué. Vous avez vu? Donc il est parti aller les convaincre à la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont gâté tout. Tous nos biens comme vous avez vu là. Ils ont tout gâté. Moi, exemple, tout ce que j'ai gâté ici, ce que j'ai perdu ici, si je calcule, ça arrive à 35 millions de francs guinéens. Ce que j'ai perdu ici là, ça arrive à 35 millions de francs guinéens. Tout est à terre. Que c'est pour lui. Donc la gendarmerie nous a fait du mal, il nous a chassés. On dirait qu'il n'y a pas l'État. Vraiment, on a besoin de secours. On a besoin de secours. Sinon, c'est ici, nous aussi, on se démerde. Vous voulez aller attaquer les ans, voler les ans, faire du mal, la criminalité, tout et tout. On préfère chercher notre bien ici. D'ici, une personne, un être humain, un citoyen comme nous, dise qu'il peut nous gâter la vie, là, on demande l'État de nous aider. Ah, aujourd'hui, on n'a rien.
on n'a pas de mots. C'est ça. Présentez-vous d'abord. Moi, c'est Souma Ibrahima. Moi, c'est Mohamed Mundekino. Moi, je viens de Kindia. J'ai quitté ma famille, ça fait longtemps. Je vis ici, à Kapuru, ici. Nous, on se débrouille ici. Mais ce qui nous est arrivé, ça nous fait mal. Ça m'a choqué parce qu'ils m'ont fait retourner à zéro. Tous mes instruments artistiques, on les fait garder ici. On dort ici. On n'a pas où s'abriter. Mais les gens là sont venus à partir de 6 heures. Moi, je les ai trouvés. Tous les autres là dormaient. On venait de l'oxygène pour jouer pour nos boss là. À 6 heures, j'ai trouvé les gens. Je voulais maintenant rentrer à la maison. Je vois les pick-up sont arrêtés, les hommes en armée, les gens armés. Je demande, il y a quoi? Il dit que non, ils s'en foutent de nous. Que c'est, ils ont commandé de venir gâter tout. Donc ils n'ont pas donné un avis de... Non, pas l'avis. Avant-hier, les membres de la quartier sont venus ici, qu'on doit payer du quota. Et tous les gens qui sont là, tous les vendeurs, vendeuses et les artistes, on s'est associés pour arranger la commune. Et la commune, qu'est-ce que la commune nous a dit que de s'asseoir en paix. Est-ce que vous voyez? Et si on voit aujourd'hui, à 6 heures, on vient, les gens sont couchés, il y a des blessés. Ils voulaient même tuer des personnes. Parce que si quelqu'un est couché, qu'on n'est pas ce qui se passe. Ils sont venus. Ils ont pris des gros machines, venir gâcher ce qu'ils veulent gâcher. Moi, aujourd'hui, ils m'ont fait tomber quoi. Parce qu'il y a mes instruments traditionnels ici. Comme quoi et quoi? Comme mes doundoum, mes djimbé et mes calebasses. Après encore, mes opalais, ils ont tout gâté. Et celui qui nous nourrit encore, il le fait perdre. Des millions, on ne peut même pas en parler. Là où on est comme ça, on est mal. On ne sait pas quoi dire quoi. Mais l'État n'a qu'à venir au secours pour nous. Parce que nous, on ne peut rien dire. Mais pour nous, ici, c'est l'État qui a besoin d'ici. Mais si vous voyez maintenant, on voit des autres, oui, on dit qu'ils ont vendu ici à un être humain, Guinéen. Or que nous aussi, on est Guinéen. Pourquoi l'intéressé peut commander sans que l'État n'a pas informé les Guinéens, ne nous a pas informé, soi-disant que vous devrez quitter. On vient nous prendre l'argent, il vient encore, il gâte nos palais. Or que nous, on est là, on n'est pas vedette, ni on n'est rien. On est des débrouillards. Ils ont tout gâté et les enfants sont venus prendre tout, même notre argent qu'on garde pour. Comment dirais-je, le ramadan, le mois du ramadan, tout est parti. On ne peut rien faire. On a vu des machines, ils nous ont blessés. Ils voulaient même nous frapper, mais heureusement, nous, on les a écoutés. On a été, je ne sais pas, patient quoi. On s'est occupé de certaines choses, mais ils nous ont fait perdre quand même. Ils nous ont fait perdre. Mais nous, on demande au professeur Alpha Condé. Si la mission là vient de lui, en tout cas, il nous a touchés. Il nous a touchés, nous. Mais on ne se plaint pas comme si c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui est le chef suprême du peuple. Mais ce que l'autorité nous a fait, c'est anormal. On ne peut pas réveiller quelqu'un à 6 heures, quel qu'en soit, même si c'est ton foyer. Même si ton foyer, il faut donner préavis à quelqu'un. Dis-lui 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 3 mois préavis. C'est ce qui est dit dans notre code pénal. Mais si on voit maintenant, sans information, on veut, on gâte. Il veut quoi? Il veut qu'on soit qui? Qu'on fait quoi? Mais, un RPG, on en a marre de ça. On en a marre. On en a marre et puis s'ils ne viennent pas au secours, nous, ceux qu'ils ont gâté pour nous, il faut qu'on regagne.
si on ne regarde pas encore, mais on aura une façon. La façon, une autre façon. Parce que notre façon ne les plaît pas. Nous aussi, on aura une autre façon. Parce qu'on n'a pas les moyens. Où on va s'abriter? Où on va dormir? En tant que mon mère Souma, moi j'ai quitté ma famille.